Et salut à tous, c'est Exer, on se retrouve pour la... La beaucoutième de VOD de Bloodborne. J'en ai aucune idée parce que j'ai même pas regardé. Oh, et en plus là ce soir c'est le subtrain. Merci à toi, quel 56. On est en train de monter les stats de la chaîne, c'est un truc de ouf. Non, c'est pas in-game No Days. Attends, je vais te montrer où c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a la PS4 Pro également et qui se demandait où était le mode boost. C'est dans les paramètres. Ensuite, c'est dans tes paramètres système. Et là, tu as le mode boost que tu peux activer. Et ça change pas mal. Ah non, non, non. Non, 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 non. Attendez, attendez. C'est précisé. Maître Vinko. C'est pas Maître Galibert, c'est Maître Vinko. Si tu veux bien ouvrir la loterie, moi, je vous remets la commande. Comme ça, vous verrez que c'est ouvert à tous. Vous soyez abonné, pas abonné, je m'en fiche. À partir du moment où Vinko va ouvrir le truc, vous allez pouvoir taper ça sur le chat. Et à la fin de la première VOD, donc dans une heure, je vous ferai gagner. Alors pour les gens de YouTube, vous vous dites « Quoi, nous, on peut pas participer ?» Je ferai peut-être un truc pour vous, je réfléchis. Pour gagner ça, un artbook de Fury, le jeu de The Game Bakers, qui est une grosse, grosse tuerie. Tu vois, Fury, tuerie, ça rime. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Et donc, pendant ce temps, nous, on va... s'enchaîner. Merci à toi, Strackman. Je le rappelle, hein, s'abonner, ça ne vous permet pas d'avoir plus de chance. C'est un robot qui va décider à notre place qui va se... qui va gagner tout ça. Donc, mais merci en tout cas. Et on va donc enchaîner avec la zone des pêcheurs de Bloodborne. Voilà, donc si jamais les gens de YouTube ils se disent quoi, ils râlent et tout, en fait c'est parce que, bah oui, je vous l'ai dit, hein, maintenant je m'occupe principalement de Twitch, hein, j'avais même fait une vidéo exprès pour vous dire ça, et je trouve ça cool de faire ce genre de petit concours en direct, donc n'hésitez pas à nous suivre quand vous pouvez évidemment. Alors j'ai pas activé le multi-échantillonnage, je suis pas sûr de l'avoir activé mon petit Nimeco. Ouais, je fais pas mal le genre de YouTube. Je me suis entraîné et tout. Hein. Alors, je crois que j'ai un objet. Ouais, voilà. Praise de trucs. Eh, bon moisiversaire, Vegamal. Ça fait que 2 mois? Non. Il me semblait que ça faisait plus. Flore Danus qui vient de EP son sub. En plus c'est cool, vous avez le droit au gif spécial sub 2. Qu'on voit pas souvent. Moi j'ai adoré tous les Dark Souls. Je suis sympa et j'aime tous les Dark Souls. Je n'ai pas de préféré. J'aime toutes les couleurs, j'aime toutes les nourritures. J'aime tout le monde. Et merci. Ah mince, j'ai pas vu passer le message. Attendez, je vais aller charger ça. Donc ça enchaîne ce soir, c'est super. Merci à toi, Keno Kefi. Salut Exerve, il faut que tu finisses ton 106% Hollow Knight, parce que j'en suis en 105 et je trouve pas celui qui me manque. Tes lives restent super. Mais j'aimerais tellement le terminer. Mais je pense que je... Tu sais ce que je vais faire, Keno Kefi? Ou Keno Kefi, je sais pas. Je vais le recommencer, Hollow Knight, ça c'est sûr. Quand tu auras le dernier DLC, je le referai à fond. Là, comme j'ai pris du temps pour faire Monster Hunter et tout. Promis, je ferai du Hollow Knight à fond, avec des grosses sessions l'après-midi, le soir et tout. Vraiment, parce que ça me manque. Ce serait la sénateur, créature enivrée de soi, les misérables doivent expier, subir la colère de Mercos. Que l'enfant chétif soit pris en pitié, qu'ils connaissent. La miséricorde. Alors, il faut que j'ai tué Koss, hein, pour avoir le brocoli, il me semble. Hein. La miséricorde. Ouais. Keno kiff. Pas de soucis. Voilà, désolé pour avoir écorché ton pseudo. Ah bah, moi, c'est mon jeu de l'année dernière, hein, Hollow Knight. Je vous l'ai déjà dit, hein.
se passe déjà ici. Je crois qu'il y a des hommes poissons qui vont m'attaquer. Des hommes poissons qui, à mon avis, sont sensibles à la foudre. Donc on va tester, on va vérifier ça en direct. Donc ça, c'était la foudre. Nous allons maintenant tester le feu. Ah non, ils sont carrément plus sensibles au feu. Alors, en même temps, je crois que j'ai des meilleures gemmes de feu maintenant. Non, mais de toute façon, j'ai pas envie de battre Koss avec le brocoli. Dis donc, il s'énerve, Cortex. Merci, Cortex. Ah, moi, je trouve ça super, ce changement d'ambiance soudain. En plus, il t'attaque avec des fourchettes, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas tester? Ah bah bien sûr que je vais tester le puits. Un nouveau badge pour Cortex. Mais comment ça marche, les badges? Y a pas une histoire comme quoi c'est à moi de les installer dans le dans l'outil Twitch là? Y a pas un truc comme ça? Je confonds peut-être. Ah bah je vais te montrer Gamal, tu vois. Il faut faire le tour en fait, c'est pas par là. C'est quand tu fais le tour. Hop, la nana de The Ring. Leave the puits alone. J'irai au puits quand j'aurai débloqué les raccourcis. Parce qu'il faut pas déconner. Alors lui il est à côté des trucs électriques explosifs, donc je vais faire le tour. Je vais aller là. Franchement, l'ésotérisme contre eux, c'est pété, hein. Salut, Luffy. Exactement, je fais un truc spé arcane. Dinox, si tu peux taper le loterie de temps en temps, la commande, pour que les gens puissent participer, ceux qui y arrivent en cours de route. Parce que du coup, je rappelle, d'ici la fin de la VOD, hop, on appuiera sur le petit bouton magique. Et une personne sera tirée au sort pour gagner un artbook de Fury. On s'arrangera ensemble pour l'adresse. Et c'est moi qui m'occuperai des frais de port. Alors j'espère juste que vous habitez pas sur Mars. Parce que ça va être la galère. Oh, feu étrange. Ça va être bon ça. Mais bon, même si vous habitez, je sais pas, en Belgique ou au Québec ou quoi. Bah écoutez, ça serait avec grand plaisir que je prendrai ça en charge. Je vous dois bien ça. Ouah, il tue Luzik, ton émote Émile. Je veux l'émote Émile, moi aussi. Bon, et jusque-là, ça se passe bien. T'habites en Corse? Non, je m'en fiche, c'est cool. J'ai jamais envoyé de trucs en Corse, tu vois, ce sera la première fois de ma vie. Ah putain. Les rechiens. C'est pas des requins, j'appelle ça des rechiens, moi. Ça tue, Jocinda. Alors, je vais pas faire le con.
Je vais pas casser les les fioles de feu avec une arme de feu. Parce que ça sent le fail à plein nez. Oh Vinko, Vinok, qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce qui se passe encore, Vinok, là? C'est quoi le problème? 50 euros. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, mais qu'il est bête. Ah là là, merci. Merci, Vinok. Merci pour tout. Donc là, en fait, Gamal, regarde, c'est par là que tu vas débloquer le raccourci pour revenir, du coup, au feu de camp. Je vous fais gagner des trucs, hein. C'est pas censé être l'inverse, hein. Voilà. Et là, donc, tu peux déclencher, hop, l'échelle. Et quand tu viens ici, tu peux courir. Alors là, faut faire gaffe parce qu'il y a un mec. Il y en a deux même, voilà. Voilà, et en plus, il m'attrape et lui, il va me faire un sushi. Hop, sushi, sushi, sushi. Donc là, t'as la tenue des tourments, c'est la tenue de Simon, le mec qui te file l'arc là. Et tu peux, hop, choper un morceau de pierre de sang. Et ça, c'est bien, parce que j'en ai besoin. Les frais de port sont finalement offerts par Vinok. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on peut dire. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu es ici, tu te retrouves dans le dos du gros là. Et si t'es malin, et qu'il te reste des cocktails Molotov, tu peux faire ça. Voilà. Et le mec du haut de son truc, il te rapporte 7000. Donc tu peux le farmer en fait en revenant depuis la... Ah ouais, je me sers complètement de la magie, hein. Hop, la magie, voilà, des bisous. Ouais, bon, ça va. Et j'ai réussi à viser au deuxième coup. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ne soyez pas déplaisants. Je vous ai dit, je suis fatigué. Ce matin, voilà, je vous racontais ma journée. Donc, réveil 6h moins le quart. Temps de prendre une douche, machin, parce que j'avais mon train à 7h et quelques pour aller sur Paris. Ensuite, j'ai tourné l'émission GK. Ça a pris des plombes, parce qu'on a eu des problèmes, il y a eu du retard, machin. J'ai mangé un truc à 15h et je suis reparti parce que j'avais mon train à 16h. Voilà. C'était une journée, ma foi, un peu épuisante. Oh là là, et dis donc, JQ là, ça suffit là. Merci beaucoup. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a la magicienne aussi qui va essayer de m'attaquer. Salut Citron. Bah écoute Kenokif, je suis très content, parce que moi ma semaine de taf était assez vénère aussi là, donc je suis content de partir en vacances. Parce que je ne serai pas là, peut-être demain je vais streamer, je sais pas encore. Je suis pas encore décidé. Ah oui, Cortex lui rajoute des bits encore. Ah, vous faites mal, vous. Oh merde. Attends, je peux pas. Ah ouais. Alors attends, on va essayer de le tuer. Est-ce que c'est pas un mec qui va pas aimer le gant de bourreau?
Non. J'ai le statut de cheminot. Non, non, pourquoi? Non, non, je bouge juste beaucoup. Ah, ils sont toujours très énervés. Faut que je trouve une solution pour les tuer un peu plus facilement. En eux, ils ont passé une très mauvaise semaine. Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais franchement, ça avait pas l'air cool, hein. Merci Justinien. C'est ça l'encre dans tes yeux. Non, je vais y aller après, Momo. C'est vrai que j'ai ça à faire. Je sais pas combien j'avais d'âmes à récup, on va aller les chercher. Pas très grave en fait. Je suis déjà assez haut level donc je m'en fous un peu en fait de merde. Avant que l'autre arrive. Ouais, c'est bon. Et on peut les contrer, eux. Enfin, on peut les backstab. Et voilà, Rakuyo. La la la. C'est tellement flippant. Non mais j'étais pas réveillé là, ça va un peu mieux, je vais commencer à rentrer un peu dans le truc. Je l'ai pas vu le film. J'essaierai d'y aller je sais pas quand. Je me suis pris la carte là illimité, alors du coup.
Ah merde, putain, j'ai oublié de rouler. J'ai oublié de rouler. C'est pour ça. Edith Mitchell, Eddie Mitchell. Mais j'ai roulé. Je vous dis que j'avais roulé. Ah bah non, bah non. Ah non. C'est relou parce qu'à chaque fois je sais les refaire. Ça me fait des fioles. Hein. T'inquiète de rien. J'avais vu au ciné moi Street Fighter. J'avais dû réussir à convaincre mes parents de m'y emmener. Calme-toi. Ah oui, il y a Simon qui est là. Ah, c'est vous. S'il vous plaît, ce village, rendez-le lui. Je vous en prie. Nos ancêtres, on sait. Mais pourquoi les chasseurs? Ce n'est pas Allez. Adieu. J'ai changé, je suis revenu en français pendant les. Pendant les donjons Calice. Je sais plus pourquoi. Je crois que c'était pour connaître le nom des donjons, parce que les gens, je sais pas, ils me disaient va faire ça, et j'étais là, je sais pas de quoi vous parlez.
Non, c'était la première fois que j'avançais un peu avec les donjons Calice. D'habitude, à chaque fois, je laisse tomber. Ah ouais, on arrive direct ici. Ah bah non, attends, faut que je fouille cette zone là. Il y a des trucs, je crois, à récupérer. Je vous avais dit, hein, je suis un tout petit peu fatigué. Après l'orphelin, il n'y aura plus rien. C'est la fin. L'orphelin, c'est la fin. Ce piège là. Ouah, morceau. Ah si, il y a Laurence aussi, ouais, c'est vrai, il y aura Laurence. Non, non, mais j'ai bien avancé dans les donjons. J'ai terminé... j'ai fait quoi, moi? Je sais plus. Je sais plus où j'en suis. Je continue. On fait des éclairs, là. Comment tu fais pour prendre encore plaisir à jouer quand ça se confond avec le DAF? Quand tu joues à des bons jeux, ça marche. Et puis c'est pas, tu vois, c'est pas un taf dans le sens t'y vas en mode tiens, je vais streamer, je suis dégoûté, oh là là, j'ai pas envie d'aller travailler. C'est pas du tout ça. On est bien d'accord. Hein. Qui revient Roger ou pas, je me souviens pas. Bah je joue une nouvelle arme, j'ai jamais joué avec ça moi. Oh panda. Merci à toi. T'en fiche ça de R1, 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 s'il va. Ça, c'est parce que t'aimais 10 ans. T'es comme ça, toi. Tu médises. Qu'il faut tuer en priorité. Voilà. Ah, sanglante humide de foudre, c'est bien ça. Wow, 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 du calme. Ça va bien se passer. Vous allez voir. Ah, il y a Shadow Tactics qui est offert en Twitch Prime. Putain, c'est un bon jeu, ça. Mais c'est pas grave, on s'en fiche pour les armes. On joue avec ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Faites qu'est-ce que vous voulez. C'est ça la règle.
Ah ouais, non, mais le Prime, il s'énerve, hein. Ils veulent absolument que tout le monde le prenne, hein. Oh, Oxenfree, c'est très bien aussi, hein, si vous connaissez pas. Pour une fois que j'aime bien un jeu avec de l'histoire. Et ouais mec. Et merde. Sushi, sushi. Well, it's too late now. Hey King Ragnar. Bon mois anniversaire à toi. Ah non, pas les sushis. Bon, mais je vais avoir les morceaux de pierre qui me manquaient pour le... Pour le reste, là, parce qu'en plus, je crois qu'on chope un rocher après. Et oui, n'oubliez pas, hein, vous pouvez participer pour gagner un artbook Fury. Faites-le, ça vaut le coup. Pas tous les jours hein, que je peux faire des super beaux cadeaux comme ça, donc moi je suis vraiment super content. Puis on va pas se mentir hein, quand c'est un jeu comme ça qu'on aime bien, c'est agréable quoi. Mais oui, y a pas besoin de payer les streamers, vous envoyez un artbook et hop. Bah ah, lui en fait il est juste là pour te piéger quoi, saloperie. Salut Elsaya. Putain, il y a encore la cloche. C'est pas deux fois qu'on le tabasse, le mec? C'est trois fois? Mais bon. Ah ouais, c'est trois fois, eh ben. Ah ouais, ouais, moi j'ai rien demandé, Panda. Moi je demande pas ce genre de choses. Hein. Faut pas croire. Hein.
J'ai pas commencé à l'écrire, c'était une annonce, Wanda. C'est juste l'annonce de « il y aura un livre sur The Witcher ». Voilà. Après, j'ai déjà pas mal de petites idées que je veux mettre en place, donc... j'aurai l'occasion de vous en reparler. Déjà, voilà, effectivement, il y a le... Ah merde, il y a Nico qui pose une énorme question, je viens de voir... Alors attendez, juste faire une pause de chat. Floyd Alex, bonsoir Axel, je te regarde depuis des années, en partie grâce à toi, j'ai réussi à 100% tous les souls, je vais bientôt commencer Bloodborne, j'appréhende cependant un peu sans bouclier. Non, tu vas voir, ça se passe bien. C'est même très très fun, tu vas devenir complètement addict à Bloodborne après, comme tout le monde. J'ai découvert la série par Dark Souls 3 que j'ai fait deux fois, je me suis fait le 2, ça c'est Nicoro79. Je n'ai pas fini la première fois car j'ai trop galéré, alors je passais à Bloodborne que j'ai fini, j'ai retourné sur DS3 puis après coup j'ai enfin réussi à finir DS2. Ah, miracle, je suis revenu en fin de semaine sur Bloodborne et du coup je galère grave au point de le détester. Pff, je suis perdu. Et bah écoute, peut-être, si tu es sage, Nicoro, je suis en train de réfléchir très sérieusement à voir comment je pourrais me dégager un peu de temps pour sortir, alors pas avec une régularité folle, mais... sortir petit à petit un guide ésotérisme de Bloodborne. Parce que je me dis que c'est cool. On a eu vraiment plein d'abonnés. J'avais dit à un moment les DLC, Dark Souls 2, tout ça, voilà. Mais j'aimerais vraiment avoir un guide Bloodborne sur ma chaîne YouTube. Même si personne le regarde. Parce que le jeu il est sorti il y a trop longtemps et que le PS Plus, tout ça. Mais c'est déjà fini maintenant. Enfin non, ah non, c'est pas fini le PS Plus, ils l'ont toujours. Non mais bon, en gros ce que je veux dire c'est que moi je suis frustré de pas avoir le guide. Et en plus Dailymotion, j'ai vu une news. En fait, ce qui s'est passé, je vous ai dit, je suis fatigué, donc c'est un peu dur. J'ai vu passer une news cet après-midi, c'était Pouillot qui l'a retweeté sur Twitter. Comme quoi la Dailymotion c'est vraiment la merde totale. Et le guide de Bloodborne que j'ai fait sur Gamekult n'existe pas ailleurs. Et je le vis très mal. Et je le vis vraiment mal parce que j'y ai passé un temps fou sur ce guide-là. Oh merde, ça va pas ça. Et donc je me dis, bah il faudrait vraiment que je m'en sorte quoi. Il faudrait que je me motive à faire ça. Elles ont plus de barre de vie. Comment on fait pour les tuer ? Voilà. Ah, ils sont insensibles aux éclairs. Putain, c'est bon à savoir ça. Elles sont pas à moi les vidéos sur Gamekult, elles sont à Gamekult. Par définition. Oui, mais c'est pas pareil, Panda. Je sais que Keldermain a fait un guide, tu vois. Merde. Non, non, ce sera un vrai guide, tout offline, donc faut que je trouve du temps, je sais pas quand, pour faire des VOD, quoi. Et je réfléchis aussi, alors ça sera pour quand il y aura le livre sur Diablo qui sort. Ça serait de faire une espèce de petite soirée FAQ, questions-réponses. Parce que à chaque fois vous avez pas mal de questions sur ces histoires de livres, comment ça fonctionne, comment on fait, machin, etc. Et je me dis que ça serait cool effectivement d'en parler un jour avec vous. Salut Mr. Barney, merci JQ. Putain, c'est JQ, il commence la guerre avec Cortex là. Oui, voilà, une sorte de Ask Me Anything en live. Le son du jeu est trop fort, mais je peux le baisser. Hein. Hop, voilà, le son du jeu est moins fort.
Après, c'est ask me anything, ça veut pas dire que je réponds à tout. Hein. Vous pouvez me demander n'importe quoi, mais je vais pas forcément répondre. Bah, tu l'auras ta collectionnite, hein. T'inquiète pas. Hein. T'as pas mal d'armes à récupérer, c'est juste qu'elles sont beaucoup plus marquées au niveau des différences. Que dans un Dark Souls. Ouais, ouais, non, mais ça crie Bloodborne, je suis d'accord. Faut pas hésiter à me le dire, y'a pas de souci. Comment ça, j'ai pas réellement de guide sur D3? Si, si, guide Dark Souls 3, je l'ai fait entièrement, tu rigoles ou quoi? Salut Marius. Salut Dédé. Un guide vidéo sur D3. Non mais t'as pas compris ce que je disais, Vivi. Je disais pas de faire un guide Diablo. Je disais de faire une FAQ sur le bouquin. Par rapport aux questions que les gens pourraient se poser. Sur ce que je fais, tout ça, tout ça. Comment ça fonctionne. Ah bah il me parlait pas, moi en plus, Vinoc. Comment je pouvais deviner, moi. Ça veut dire invasion. Il y avait un la-la-la, je crois, dans le coin aussi. Ouais, alors, comment vous dire? Oh non! Oh non! Ah, j'y suis allé trop bourrin là. Trop bourrin. Mort. Et c'est le fail. C'est le fail. Ah ouais, j'étais super greedy là. J'étais là genre. Je vais tous les tuer. Mais non. Que dalle. En fait, c'est eux qui m'ont tous les tués. Oh non, toutes mes âmes. Vous avez rien vu. Hop. Je voulais pas perdre mes âmes, moi. Dégoûté. En plus, il y a quand même une chance sur deux pour que c'est quand même eu le temps d'enregistrer ma mort. Donc, suspense. Et il a donné corrompu. Et bon, on commence le guide en live. Ouais, pff, YOLO. C'est pas grave, on s'en fout. Et n'oubliez pas la loterie, voilà. Changeons de sujet. Regardez, la super loterie sur le chat.
En plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même David Perry, donc ça n'a pas changé. Bonjour, monsieur Exer, vous n'avez pas honte? Non, ça va. Le karma. Ah oui, d'ailleurs, il n'y aura pas de stream dimanche, du coup. Tiens, faut que je pense à vous le dire tant que j'y suis. Alors toi... Tu vas mourir! Mon tuto pour débuster le stream n'est plus dispo sur Gamekult. Ah si, il est toujours dispo. Ah ouais, non, j'ai passé des heures à le remettre en forme pour le nouveau site. Il est dispo. Ça, c'est sûr. Je sais pas sous quelle forme, mais il y est quelque part. Je vais le chercher de suite. Ah non, attention. Voilà. Il est là, mon guide. Hop. Non, je serai en vacances du coup, et du coup pas de stream dimanche. Putain, j'avais plein d'âmes, je suis dégoûté. Reviens. Voilà. Il peut pas me réenvahir, je l'ai déjà tué Baldur ou je sais pas quoi là. Oh non. Ça c'est pas gentil. Je crois que Baldur a bugué de ouf. Regardez-le! Il a complètement bugué. Oh, il est même plus dans le jeu. Il est tombé dans le vide, là, on est d'accord. Il est tombé dans les limbes. Cette OOB, quoi. Ah ouais, là, il fallait le clipper, c'est clair.
Apprendre les stats de speedrun à un PNJ, c'est exactement ça. Je vais déclencher le raccourci parce que je suis un mec prudent. Et après on va arrêter la VOD. Donc ça sera la fin de ce premier concours. Et je pense qu'il me faudra bien une heure pour venir à bout de cost parce qu'il est quand même bien vénère. Donc je finis de tout visiter et puis il ne nous restera plus que le boss à faire après. Et améliorer les armes et tout ça et tout ça et tout ça. Voilà. Plus gros problème que j'ai rencontré avec Bloodborne. Mais si, joli, Jutilien, t'es pas sympa, toi. C'est que dans Bloodborne, il y a un manque de diversité. Oui, il y a moins de types d'armes, ouais. Ouais, je suis d'accord. Alors, c'est par où le méchant? C'est par là. Et là, t'es deg le Winter Lantern. Ah, il y en a un deuxième. Non, leave me alone. Meurs, pourriture communiste. Oh non! Oh non, j'avais pas vu que j'avais la... Oh, j'avais pas vu. Oh, je les déteste, ces trucs. Je les déteste, mais je les déteste. Ah, il faut que j'utilise le petit Onitrus. C'est ça qui marche. C'est parti là, on rigole plus. Ah mais surtout qu'il faut que je finisse de tout visiter parce qu'il y a un rocher de sang et tout, j'y suis pas allé encore. Et en plus, j'ai des tonnes de gemmes hein, à installer là. Voilà, masse, chaude, je sais pas quoi, être cosmique là. Faut lire les deux, effectivement. Merde. Quel con. J'ai pris la balle et du coup ça m'a tué. Je l'ai fait en le faisant. En le faisant, je me suis rendu compte que c'était une connerie et que j'étais là genre... Ah mais non, je devais attendre que la folie marche et après j'aurais pu me soigner. Quel idiot. Merci Joxeris pour ton prime et bienvenue à toi.
Bon. Ah, plus j'ai plus de balles. Chier. Faut que je retourne, que j'aille chercher des balles et tout. Ah là là. Tout ça, en plus, je suis sûr que c'est une connerie pour aller récupérer genre des fioles ou je sais pas quoi. Hein. Ouais, je suis un peu fatigué. Il faudra que je regarde après les histoires de gemmes aussi, ce que je peux mettre. Parce que j'ai chopé plein de nouvelles gemmes à installer là dans les armes. Et surtout, j'ai acheté plusieurs épieux d'église. Donc je vais pouvoir voir en fait en fonction des formes, des slots là qu'on peut insérer les trucs. Ah ouais, mes phrases, elles veulent plus rien dire. Je suis vraiment fatigué. C'est... on verra. On verra en gros quel sera le meilleur choix à faire. S'ils sortent un Bloodborne 2, qu'ils le sortent sur PC. Alors, comment te dire? À mon avis, c'est mort. Hein. Je peux pas... Voilà. Ça pue. Hein. Ah, ça y est, les maps 3 et 4 du FFS sont sortis. Et ben, on s'entraînera dessus. Je sais pas quand, parce que comme je vais pas être là pendant quelques jours, je vais en profiter pour souffler. Ah, mais si, c'est important en plus que je les tue, parce que c'est comme ça qu'on va aller dans la zone du raccourci et tout, là. Ah, ça sert à rien. Oh la violence, ce que ça te coûte cher de les tuer eux. C'est fou. Oui, c'est pour aller à la zone où il y a le rocher de sang. Ah non, c'est juste ça. Ah non, c'est pas là alors. Je me suis trompé. Non, c'est pas Bloodborne 2, le prochain jeu de From Software. C'est autre chose. Voilà, c'est là où il fallait que je vienne après. Alors, comment vous dire, vous êtes tous très énervés. Moi, je crois que vous avez vraiment eu des gros problèmes dans cette zone, hein. Tout va bien. Je vais faire un début de VOD, après ça va être juste du tri pour enlever toutes les gemmes dont j'ai pas besoin. Ça va être super. Esquive. Elle est intouchable. C'est un ninja. Ça, je m'en souvenais, tu vois. Non, mais ça vaut le coup de venir. Il y a un rocher de sang, quand même. Hé, hey, Paralas qui s'abonne. Tu es notre 261e abonné. Incroyable. Je crois que j'avais jamais fait autant. Sans déconner, hein.
Et bien c'est parfait, on va pouvoir remonter. Et une dernière fois, je vous le rappelle sur le chat, si vous ne l'avez pas fait, au pire, vous respammez un gros coup, histoire qu'on soit sûr. Vous nous faites un coup de point d'exclamation raffle, là. Pour être bien sûr d'avoir participé. Et je vais bientôt demander à Maître Vinko, Maître Galivinko, de nous révéler le nom du ou de la gagnant-gagnante. Takeo, merci à toi. C'est un réabonnement ça. Tu faisais déjà partie des abonnés. Je me souviens. D'accord. Okay. C'est donc un escalier qui sert à rien. 3 minutes nous a dit Vinok. Alors attention, hein. 3 minutes c'est 3 minutes. Hein. Faut pas déconner. Et je vous demanderai du coup, enfin je m'arrangerai avec le ou la gagnante pour... Et Airbags pour l'histoire de l'adresse, tout ça, je me débrouillerai, on s'arrangera, vous inquiétez pas. Du coup j'ai plein d'humanité aussi là, de lucidité. Je suis bien. On va racheter des trucs. On va prendre 70, voilà, boum. Le reste, on va acheter des balles. Voilà, parfait. Et il va falloir juste farmer, parce que si je veux améliorer mes armes, forcément, ça va être un peu compliqué. Alors du coup, le temps que ça soit bientôt la fin... cette tombola. Non, j'avais demandé Jay à refaire une dernière fois pour que tout le monde puisse participer. Oh, je sais pas, Asmodia, plein de fois. Alors, dans combien de temps, Vivi? Est-ce qu'on a un chrono? Est-ce qu'on a... On va en faire gagner un deuxième après Harry Ovans. Comme je vais rejouer encore un peu pour essayer d'aller tuer Koss et tout ça. Enfin, je vais aussi faire pas mal de tri dans mon coffre. Avec 30 000, je vais pouvoir améliorer mes armes. Ah oui, là c'est des minutes SNCF alors. Bon, on fera un décompte genre 19-8 sur le chat et tout pour être sûr que c'est vraiment la fin. Ah non, bah ça y est, bah voilà. Vinok, il fait pas le suspense. Il fait pas le suspense. C'est Moubot Draw simplement. Et donc c'est Psylosis. Félicitations à toi qui remporte ce premier Arboot de Fury. Bravo, félicitations. Bon, ils sont pas dédicacés, mais ça vaut le coup quand même. Un gros bravo à toi. Alors du coup, si tu peux m'envoyer
un mail à mon adresse mail ou si tu me suis sur Twitter, comment ça t'arrange, mon petit Psilosis. Mais félicitations, bravo, franchement bravo, bravo, bravo. C'est mérité, hein, parce que vraiment, t'as fait, voilà, t'as travaillé dur. Non mais blague à part, t'as mon mail de contact sur mon compte Twitter, que je vais te mettre tout de suite. Et sinon, si tu as Twitter, tu peux m'envoyer un petit message, on ira en DM. Et comme ça, on s'occupera. Hop, dessus, il y a mon mail. Comme ça, tu peux m'envoyer ton adresse et puis bah, je te ferai parvenir ça. Alors, peut-être pas. Si j'ai du temps, je te fais partir ça dès demain matin, avant que je parte en vacances. Sinon, ça sera la semaine prochaine quand je reviendrai. Mais voilà, tu l'auras. C'est prévu. Ne t'inquiète pas. Tu m'envoies un mail via Twitter. Ça me va. On va s'arranger. On va se débrouiller avec Twitter. Mais non, vous n'êtes pas dégoûté. Allez, eh ben écoutez, je vais arrêter la VOD là. On va en reprendre une tout de suite. Vous avez encore une autre chance, parce qu'il y a un deuxième artbook à remporter. Parce que j'en ai encore d'autres. Et donc, les gens de YouTube, bah écoutez. J'essaierai, je vais réfléchir à un truc que je pourrais faire avec vous. Alors peut-être que ça sera pour le lancement du nouveau guide Bloodborne sur YouTube, on ne sait jamais. Peut-être que ça sera ça. Pour les gens de Twitch, bougez surtout pas. On revient dans quelques instants. Je vais juste aller me chercher un truc à boire et on revient.